À la croix, où j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. Oh oui, à la croix, à la croix, à la croix, où j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, à la croix, à la croix, où j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. Dieu est bon, Dieu est si bon, il est bon. S'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre psaume chapitre 18 psaume chapitre 18 nous lisons du premier verset au 37e verset. Psaume 18, 1, 37. Psaume chapitre 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés, il abaissait les cieux et y descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds, il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et le charbon de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, le fondement du monde fut découvert. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit et me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé
les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec lui, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur les troupes en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin de mes pas et mes pieds ne chancellent point. Amen. Ô Seigneur, entends ma prière, je veux garder statues, sauve mon âme du pays. Tu es le Dieu éternel, ô Seigneur, entends ma prière. Je veux garder. Sauve mon âme, sauve mon âme, car tu es le Dieu éternel. Ô Seigneur, entends ma prière, je veux garder. Sauve mon âme. Sauve mon âme, car tu es le Dieu, tu es le Dieu. Éternité. Tu l'es notre Père et notre Dieu, et tu le seras toujours, ô notre Roi. Nous sommes vraiment apaisés et nous sommes vraiment consolés, restaurés, soutenus aussi par ta main puissante, mon roi. Parce que tu es présent, c'est pour ça, Père Saint-Dieu, nous n'avons pas de crainte, mon bien-aimé Père Tissant, nous n'avons pas la peur, mon roi. Nous avons simplement du respect à ton endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi encore pour ce instant béni, Père Saint-Dieu, que tu nous donnes encore, mon bien-aimé, dans ta présence à toi, pour qu'ensemble nous puissions élever nos voix et aussi nos cœurs, mon bien-aimé Père Tissant aussi, nos âmes, mais nos pensées, bien aimé Père Saint-Dieu. Oh, tu es vraiment un appui certain, un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, mon bien aimé Père Saint-Dieu. Lorsque nous t'avons invoqué, Seigneur, tu as entendu nos prix. Oh, tu as exaucé, mon bien aimé Seigneur et Dieu. Tu n'es pas sourd, mon roi. Tu as des oreilles, tu entends et tu as entendu, Seigneur. Tu es venu au secours, mon bien aimé Père Saint-Dieu. Que ton nom soit célébré, qu'il soit vraiment élevé encore, Seigneur. Merci encore pour le souffle de vie et la grâce encore, Père Tissant, d'être parmi les vivants. Les vivants, ce sont ceux-là qui te louent aujourd'hui. Comme nous te louons ce soir, bien aimé Père Saint-Dieu, pour ta présence glorieuse et divine, mon sauveur. Merci encore pour ton amour, bien aimé Père Saint-Dieu, d'avoir inspiré de chanter les cantiques, mon roi. Aussi pour les témoignages, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh Dieu, chaque jour, à chaque instant, nous avons la joie de voir ta voix dans notre vie, Seigneur. Malgré les combats, mais tu es toujours présent, Seigneur. Tu nous instruis, tu nous enseignes, mon bien aimé Père Saint-Dieu, à apprendre davantage comment manier l'épée, Seigneur. Sois béni encore ce soir.
Souviens-toi de tout ton peuple, mon bénévole Père Saint-Dieu, qui est vraiment aussi connecté dans différents endroits. Et ceux qui arriveront à pouvoir entendre ta parole à toi, bénévole Père Saint-Dieu. Seigneur, soutiens ceux qui sont aussi dans leur maison, à différents endroits où ils se trouvent, mon bénévole Père Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment, Père, au Dieu, avoir un cœur, Père, qui s'unit encore davantage pour pouvoir réellement te louer, te servir encore pour tes hauts faits, Seigneur. Nous pensons à tout ton peuple, Seigneur, qu'il soit béni là où il se trouve. Seigneur Jésus, nous te remercions vraiment pour ta présence glorieuse, Père Saint-Dieu, pour le souffle de vie que nous avons. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié, glorifié et remercié, Père, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est très bon, notre Dieu. Il est merveilleux. Oui, comme nous l'avons chanté, qu'il entende nos prières, il entend, oui, il exauce. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est toujours merveilleux lorsque nous pouvons nous retrouver, quand nous pouvons élever nos yeux vers le ciel et dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Et quand on peut voir aussi les frères et sœurs que Dieu nous a donnés par sa grâce, c'est toujours merveilleux. Je comprends pourquoi aussi les frères, dans le temps, ils remerciaient le Seigneur pour tout le bienfait qu'il leur avait accordé aussi. Et la grâce de pouvoir aussi avoir aussi ces frères et ce peuple qui, comme un accord, se donnaient au Seigneur. Et aussi, comme la Bible a dit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, ils furent donc baptisés. Nous avons besoin de pouvoir avoir des frères et des sœurs qui ont vraiment le cœur donné tout entier au Seigneur. Cela aussi réconforte dans la marche aussi, effectivement. C'est pour ça que lorsqu'il s'est mis là devant ces hommes qui étaient assis, le roi et tout ça, les intendants qui voulaient l'intimider pour savoir par quelle autorité et par quel pouvoir et au nom de qui qu'ils avaient fait ces miracles de cet homme important de naissance et qui a eu pu avoir marché, dont les pieds ont été recréés. Et ils étaient vraiment aussi en colère parce qu'ils soupçonnaient qu'il y avait quand même quelque chose qui était en rapport avec ce Jésus. Mais comme ils ne l'aimaient pas, ils ne voulaient pas vraiment que ça se sache qu'il est vraiment celui qui fait toutes ces choses. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, le fixant du regard sans qu'il ait eu peur, effectivement. Et il a fait comprendre d'une manière assez claire que, oui, c'est vrai que dans les cieux sur la terre, il n'y a pas un autre nom. Dans lesquels, sauvés, donnés par toi, dans lesquels nous sommes aussi sauvés. Et que c'est par ce nom de Jésus-Christ que cet homme ici a reçu donc la guérison et la délivrance. Jésus est celui que vous avez rejeté, en fait. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lesquels nous pouvions être sauvés. Et voyez-vous, la colère s'est emparée d'eux, effectivement, parce que lorsqu'on a cité simplement ces noms, leur problème, c'était ces noms-là. On ne veut pas de ces Jésus, en fait. Et ils ont bâti de verges, effectivement, ces hommes qui témoignaient de ces Jésus et qui restaient fermes dans leur foi, comme il leur a dit. Ils ont dit à Pierre et des autres, effectivement, que nous vous interdisons de parler de ces noms et de prêcher en ces noms et puis parler de lui, effectivement. Il dit, mais jugez-en vous-même, effectivement. Faut-il vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Nous ne pouvons qu'obéir à Dieu, effectivement. Et encore la colère est montée, encore, effectivement, parce qu'ils ont vu qu'ils s'imposaient, mais en fait, ils ne pouvaient pas arriver à pouvoir à domination sur ces hommes-là, parce que c'est Dieu qui dominait sur eux. C'est comme ça qu'effectivement, dans la colère, ils ont demandé qu'on puisse les frapper avec des fouets. Ils ont frappé vraiment avec des fouets, et avec menace encore, les interdisant effectivement de ne pas prêcher en ces noms. Et quand ils sont donc sortis, ils allèrent vers le leur. Ça, j'aime beaucoup ça. Que Dieu soit béni. Ils avaient aussi le leur. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est ça que l'évangile montre effectivement, que nous devons vraiment faire tous les efforts pour que nous puissions nous conformer à la volonté de Dieu. Nous avons tous besoin de vrais frères et de vraies sœurs aussi. Pourquoi laissons-nous toujours le côté mauvais dominer? Pourquoi toujours cette noirceur en fait dans le cœur? Nous voulons avoir des frères et des sœurs avec lesquels, que quand nous avons des soucis, nous mettons à genoux ensemble. Les nôtres, ils avaient aussi le leur. Je remercie Dieu parce que Dieu leur a donné le leur, il donnera aussi le nôtre aussi. Et pourquoi nous soupirons après cela et que
Nous prions que Dieu, notre Seigneur, comme il fait son travail, mais il le fait aussi à la perfection. Et nous demandons qu'il nous accorde cette grâce qui est vraiment un nettoyage complet. Nous le remercions pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de pouvoir accomplir parmi nous aussi. Il le fait et il le fera. Nous le prions aussi pour qu'il agisse selon son autorité. Et aussi qu'il fasse que sa volonté puisse s'accomplir. Que ça nous plaise ou pas, nous n'avons pas imposé à notre Seigneur ce que nous voulons. Mais nous voulons que lui nous impose ce que lui veut que nous puissions arriver à pouvoir faire. Parce que c'est à lui que nous devons obéir et non que lui nous obéisse. Nous devons réellement aussi être dans cette position-là. Il donne et il reprend quand il veut, comme aussi cet homme a eu à pouvoir vraiment faire une déclaration tout à fait étonnante et qui restait une marque effectivement dans chacun de nous et dans tous les endroits où la parole de Dieu est prêchée. Il a donné notre Seigneur, il a repris, que son Saint-Nom soit glorifié. C'est comme cela que nous avons appris de lui et surtout c'est par les expériences que tout cela qui nous ont précédés ont pu arriver à pouvoir passer et dans le moment le plus difficile de douleur aussi, ils apprécient la décision de notre Seigneur. Notre frère Marcelin a perdu donc son cousin en Afrique, et dans des circonstances un peu difficiles. Et cela s'est passé la semaine passée, donc le jeudi passé. Et il a laissé femme et enfant, et une veuve aussi là-bas. Nous allons prier pour eux. Que le Seigneur console notre frère, toute sa famille, notre sœur Juliette et tous les enfants aussi, et ses frères aussi, ceux qui sont là-bas aussi en Afrique, et toute la famille entière aussi, son cousin qui a eu à pouvoir aussi partir ainsi. Nous prions que le Seigneur vraiment qui console le cœur. C'est pour ça que nous aimons la voir, parce que dans différentes circonstances, nous avons toujours besoin de lui. Nous allons donc prier. Tendre Père et précieux Sauveur, c'est vrai, Job avait raison de pouvoir dire que l'Éternel a donné, c'est toi qui donnes, parce qu'il n'y a aucune vie qui vient par soi-même. Toute vie qui vient, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, c'est parce que toi tu le veux, et c'est toi qui fais ces dons, c'est toi qui donnes effectivement aussi. Mais quand tu as vu aussi, Père Saint-Dieu, que cette vie doit partir maintenant, et la course se termine aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, tu le retires. Oh, c'est vrai, c'est pourquoi nous avons toujours prié en disant que ta volonté soit vraiment faite, mon roi. Nous avons que du respect à ton endroit, la crainte à ton endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, comme Moïse a pu le dire, enseigne-nous à compter vraiment nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse divine de Dieu. Merci pour cette bonté, merci pour cette grâce que tu témoignes aussi, Père Saint-Dieu, parce que c'est toi qui consoles aussi le cœur. Puisses-tu consoler notre précieux frère Marcelin et aussi la famille là-bas qui est en Côte d'Ivoire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, oh que tu puisses agir encore pour ces enfants, des orphelins qui sont restés. Ils ont vraiment besoin. Tu as dit que tu étais le père des orphelins. Tu gardes, tu protèges, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous te demandons grâce, que tu puisses les aider et leur venir aussi en aide. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, car tu es notre Dieu. Nous t'avons ainsi demandé et prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni et glorifié. Nous prenons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jean. Livre de Jean, au chapitre 15. Jean 15. Et nous pouvons lire à partir du verset 12. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Amen. Précieux Sauveur et Maître béni, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce pour te supplier. Seigneur, tu nous as accordé vraiment un privilège de trouver grâce devant ta face. D'être dans un lieu où ton nom est glorifié et chanté, Père Saint-Dieu, de nous permettre de participer à la louange, à l'adoration, Seigneur, oh Dieu. Oh, Père Tout-Puissant, élever et louer ton Saint-Nom, c'est vraiment des moments tellement merveilleux. Oh, glorieux encore, Père Saint-Dieu, parce que
Tu aimes être adoré, tu aimes être loué parce que tu le vaux, Seigneur. Tu le mérites, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de ce que nos cœurs puissent vraiment te louer, te glorifier, t'exalter encore davantage au plus profond de nous. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Aussi ta parole, mon bien-aimé Père Saint, toi qui nous enseignes, tu nous enseignes pour que nous puissions être semblables à toi. Pardonne-nous, Père, et pardonne-moi aussi, Père. Je te demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Celui qui parle ainsi, c'est le Seigneur, dont vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, je pense que c'était dans Matthieu chapitre 13, lorsqu'il a parlé du semeur, et puis après les disciples lui ont posé la question de pouvoir savoir ce qu'il en était effectivement. Et vous remarquerez très bien qu'il a répondu, je vais juste peut-être trouver cette écriture effectivement, vous connaissez, mais je vais juste le trouver. Il a dit quelque chose, effectivement, dans cela, quand il a parlé. Merci, Seigneur. C'est cela. C'est dans Matthieu 13, verset 16. Matthieu 13, verset 16. Il a donc répondu à ses disciples, effectivement, quand ils lui ont posé la question, pourquoi la partie en parabole, et vous connaissez la réponse. Et il dit, parce que la question était verset 10, il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et puis il a répondu. Alors verset 16, il dit, mais heureux sont donc vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Verset 17, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes, vous entendez bien, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, il s'adressait bien à ses disciples, effectivement, ce temps-là, lorsqu'il était là, il parlait et il leur dit, effectivement, que mais ils ressent vos yeux parce qu'ils voient aussi, et vos oreilles parce qu'ils entendent effectivement, et beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez effectivement dit, et ils ne l'ont pas entendu en fait. Il y a eu un homme aussi dont Dieu, notre Seigneur, a rendu vraiment un témoignage aussi puissant qui est resté une marque jusqu'à ces jours. Nous l'avons cité tout à l'heure, effectivement. Il a même dit à Satan, il a regardé, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu, notre Seigneur, a fait le lâche de... Vous vous rendez compte? Nous nous rendons des fonds. C'est extraordinaire que Dieu du ciel, qui regarde sur la terre, tous les hommes, effectivement, qui vivent n'importe comment, et qui fassent le loge d'un homme. Un être humain. Et il a cette allégresse, cette joie de pouvoir parler à son ennemi, en fait. Pour lui faire remarquer que tu fais tout ce que tu veux pour pouvoir détruire ce que moi je suis en train de pouvoir faire. Mais je te fais remarquer une chose. Peut-être en passant, tu n'as pas fait attention très bien. Mais je te rappelle. As-tu remarqué? As-tu fait attention à mon serviteur Job? Et puis, Dieu dit de Job, il dit, ils vont les lire, hein, Job, chapitre, oui, c'est ça, c'est chapitre premier, c'est cela aussi, Job, chapitre premier, voilà, chapitre premier, Job, yes, Job, chapitre premier, ici, voilà, ici. Donc, voilà, c'est un... Alors, voilà. Donc, voilà, c'est verset 8. Job 1, 8, il dit, l'Éternel dit donc à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est extraordinaire, hein, quand on lit les Saintes Écritures. Bon, c'est vrai qu'on continue toujours à lire, mais je n'ai pas encore trouvé, effectivement, cette manière de pouvoir dire Dieu s'adressant, effectivement, dit à Satan, pour un homme, cette manière-là.
parlant d'un homme, en fait, il dit, mais est-ce que tu l'as remarqué, cet homme qui s'appelle Job? Et puis, le Seigneur dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc, le Seigneur était sûr de cet homme-là, Job. Mon frère, ma soeur, Job était un homme conçu comme toi et moi. On prend toujours beaucoup d'excuses, frère. Je ne suis qu'un humain. Je suis juste qu'un homme, effectivement. Mais Job était un homme comme toi aussi. Mais toi et moi, ce que nous avons encore de plus, c'est la grâce de Dieu, en fait. Il n'y a personne. C'est pour ça que nous le disions, les heures passent vite pour nous. Vous pouvez ne pas accepter ou même fermer vos oreilles, ignorer, mais quand même vous entendez. Ça, c'est la base sur laquelle Dieu va nous juger. Bozague, on nous dit que toute bouche sera fermée. Vous n'aurez même pas à pouvoir vous justifier. Comme je me dis, vous vous justifiez trop, beaucoup trop souvent. C'est, ça sert à rien. Mais vous n'aurez même pas à la possibilité de vous justifier. Vous vous souvenez de ce témoignage que je vous ai rendu ici. Tout le monde le connaît. C'est Daniel Curry. Daniel Curry. Quand on lui a posé la question, Daniel Curry, depuis que tu es né, n'as-tu jamais volé? Vous n'oublierez pas, frères et sœurs, que Daniel Curry était un homme qui était là, qui a connu le Seigneur, qui a rendu témoignage, vous vous souvenez, non? Ouais. Mais ces jours-là, on lui a posé la question. Daniel Curry, n'as-tu jamais volé? Alors il dit que quand on lui posait la question, bah, il le voyait un écran devant lui. Il se voyait lui-même, Daniel Curry. Il avait les consciences, je venais même très bien du jour et de la date en question où il se trouvait en passé. Et il volait. Alors, quelle explication? Vous qui aimez trop vous justifier, quelle explication Daniel Curry pouvait donner? Il pouvait dire, je n'ai jamais volé, parce qu'il se voyait lui-même. Et il se souvenait que ces jours-là, j'ai vraiment volé. Donc, c'est pour ça que nous lisons ici, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est pour ça que nous prions, et le jour que nous avons ici, frères et sœurs, la crainte de l'Éternel, nous devons avoir la crainte. On manque de respect à Dieu. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est bien le commencement de la sagesse. Ne suivez pas les gens qui sont à l'extérieur et tout ça, qui vous envoient des messages. S'il vous plaît, frères et sœurs, vous devez vous tenir simplement dans les saintes écritures, parce qu'il s'agit de votre vie à vous. C'est le temps où nous devons vraiment nous préparer, en fait. Vous pouvez être très conscient de ce que le Seigneur, notre Dieu, a promis. Parce que, regardez, si nous prenons dans les scènes écritures, et ça c'est toujours très frappant. Il dit, c'est vraiment très frappant, et le Seigneur nous aide. Et parce qu'il ne nous a pas laissé dans l'ignorance. Parce que vous remarquerez très bien, que vous allez comprendre, vous remarquerez très bien comment cet homme de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, il fait sortir les paroles et exprime les choses, effectivement, dans 2 Pierre chapitre 3, comme ça vous comprenez, parce que c'est cela nécessaire pour que vous puissiez voir dans cela aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Pierre au chapitre 3, c'est cela, oui c'est ça, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. De Pierre chapitre 3, il dit, verset 5. Et 3, verset 5, il dit, ils veulent ignorer en effet. Parce que nous, nous ne devons pas avoir l'ignorance des choses de Dieu. Il ne faut jamais mettre en oubli ce que Dieu nous a dit. C'est pour ça que l'apôtre
Pierre ici nous rappelle ici, d'abord nous recommençons ce verset, il dit, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements, vous suivez, à éveiller hein, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez toujours. Ce qu'on nous dit, c'est quand même des choses qu'on doit garder. Mm-hmm. Vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, Matthieu chapitre 13, effectivement, hein, c'est lui dont la semence est tombée, le long du chemin. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il est dit, effectivement, que le diable vient et il enlève ce qui a été semé. De quoi a-t-on parlé? Je ne me souviens plus. Vous vous souvenez, non? Et vous savez pour quelle raison il enlève cela? Il dit, la Bible dit, parce que, afin que vous ne puissiez pas être sauvés. Mm-hmm. C'est sûr, parce que si c'est du vide, tu vas t'accrocher à quoi? Il faut qu'il y ait quelque chose, ma soeur. Moi. C'est pour ça que vous venez vous asseoir. Vous faites tous les efforts, les travaux fatigants, et on me dit, mais il faut que je vienne quand même à la maison du Seigneur. Ne rentrez pas vide. Si je dois rentrer, il faut quelque chose. Peu importe, même si mais je dois avoir quelque chose qui me permet de pouvoir tenir. C'est ce que Dieu veut. Que Dieu nous aide. Alors, il dit, mais afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance, verset 2, par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez? Les prophètes ont prophétisé. C'est ça l'importance du ministère apostolique. Ce sont les apôtres qui arrivent à pouvoir placer les choses à leur place pour nous montrer leur accomplissement. Vous savez, non? C'est une écriture. Hein? Parce qu'il dit, mais, par exemple, quand David priait dans le psaume 16, il dit, mais tu ne permettras pas que ton cerveau voit la corruption. Comme il était prophète. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Vous comprenez, non? Parce qu'on a vu, effectivement, qu'il est mort. Permettez-moi de vous montrer, effectivement, avec certitude, qu'il est mort et était enseveli. Il savait que ici, c'était... Ah, donc, vous l'avez senti, non? C'est de la résurrection de Jésus le Christ qu'il a donc prophétisé et annoncé. C'est ça, en fait. Ils ont proclamé, annoncé, mais les apôtres prennent les Écritures, le place à la place pour montrer, voici l'accomplissement. Alors, on continue, c'est ça qui est. Donc, verset 3, verset 2. Verset 3 dit, mais sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement. C'est souvent quand on arrive à ce point-là, les gens se fatiguent. Vous avez dit qu'il viendrait, il viendrait. Mais oui, c'est vrai. Nous avons, et c'est la Bible a raison quand il dit il va venir. C'est le découragement qui prend place. Mais elle voyait, elle savait que c'est lui-là, en tout cas, aussi longtemps qu'ils essaient que c'est lui qui va le faire, tu peux m'insulter, tu peux, même s'il me dit que je suis chêne, il n'y a pas de problème. La persévérance. D'ailleurs, nous en avons parlé souvent ici, hein, puisque le Seigneur l'a même dit pour nous, hein. Il dit, mais vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez donc ce que vous est promis. N'est-ce pas vrai? Vous comprenez, non? Donc, il faut, c'est cela qui nous tient. Hein? Persévérant dans la chose que nous avons. Donc, la foi est importante. La foi vient de ce qu'on entend. Je le crois. Même si on me dit que ce n'est pas vrai, moi, je le crois. Quand je le crois, j'y m'accroche. Il faut fortifier donc par la foi. Vous voyez comme si c'était important que toutes ces choses soient liées et gardées aussi dans notre cœur. Sans la foi, il est impossible. Hein? Nous continuons. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est parce qu'ils ne regardent pas bien. Mm-hmm. Mais toi, tu as les yeux. Tu regardes et tu vois effectivement que l'horloge... Ah oui, je crois que... je pense que vous êtes au courant, puisque ce sont les scientifiques eux-mêmes qui ont eu à pouvoir faire sortir l'horloge maintenant. C'est passé tout le monde, je crois que tout le monde est au courant. C'était minuit moins 10, je ne sais pas, moins 10 ou comme ça. Mais maintenant, c'est quelques secondes. Ça veut dire qu'il reste quelques secondes pour que le monde s'arrête. Oui, oui.
Ils ont montré l'horloge, effectivement, des scientifiques. Ils ont dit, parce qu'ils ont commencé à expliquer, effectivement, ils disent, la faim est tellement... C'est vrai. Hein. Je regardais, j'ai dit, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils disent? C'est vrai aussi. La faim de toutes choses est proche. Donc les hommes sont dans les tremblements. C'est pour ça qu'ils prennent des décisions de tort et de travers, effectivement, avec tout un mélange. Si vous remarquez aujourd'hui, même dans la technologie, même dans la science, dans l'informatique, tout ça, il y a tout un tas de mélanges. Vous avez un appareil aujourd'hui, demain il devient obsolète. Vous comprenez, c'est-à-dire que demain il devient vieux. C'est pour ça qu'on vous nourrit avec S14, S52, S53, S54, je sais pas combien on veut s'arrêter, S128. Donc vous, demain vous avez S28, aujourd'hui demain vous avez S29. Et puis S29, et puis S29. Et puis vous êtes tellement tenu à hein, tu veux avoir le S29. Mais tu as déjà 28, tu n'as même pas terminé beaucoup. Tu passes dans le 29. Et puis après avoir 29, et puis les 30. Donc. On nous tient toujours. Oui, mais c'est ça, en fait. L'esprit est toujours tenu, en fait, en haleine pour que tu ne regardes pas tellement très bien. Enfin, bref, c'est bon. On le dit, verset 5, il dit, « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. » Vous vous souvenez, non? « De même qu'ils n'étaient attirés de l'eau et formés au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. » Et il nous ramène à la Genèse, que beaucoup oublient, pensent, oh, Genèse, ça ne serait... Non. C'est toujours important parce que tout commence par la Genèse. C'est là que tu vois la puissance de la parole de Dieu, la puissance de Dieu, et même comment les péchés tendaient dans le monde. C'est toujours Genèse. N'oublie pas Genèse. Et c'est la Genèse aussi qu'on est revenu aussi. Chaque semence produira ses longs. Toujours Genèse. Qui nous démontre, c'est-à-dire que Dieu ne change jamais la parole, jamais. Elle demeure toujours pareille. C'est là que... Et puis, nous avons entendu aussi dans les psaumes, je crois, 18, non? La parole de l'Éternel est éprouvée. C'est la grâce de Dieu, une joie. Surtout quand nous prêtons bien attention. Nous allons arriver à ce que je veux dire. J'ai envie de dire. Il dit que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Il dit, tandis que par la même parole. Alors, si nous avons réalisé que nous nous souvenons que c'est par la parole de Dieu que le monde est submergé par l'eau, et que par la même parole, mais il dit encore que cette montée va être détruite par le feu, comment pourrais-je douter en fait? Parce que la première déclaration s'est accomplie. Ah ben oui, tout le monde a douté. Quand Noé est sorti, effectivement, Dieu va détruire par l'eau. Ils étaient tellement des grands scientifiques. Ils ont tous douté. Mais tes doutes à toi ne vont pas stopper Dieu de pouvoir, même si dans ce monde ici, où nous sommes aujourd'hui avec ce mélange, tu veux te rester dans le mélange de tout ça, vivre comme un cochon, comme tu veux, ça ne va pas arrêter Dieu de pouvoir trouver un peuple saint. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que toi tu vis dans le souillure que ça va arrêter Dieu de marcher dans la sainteté avec son peuple. Il l'a prononcé, il va l'obtenir. C'est comme cela que c'est là quand tu disais. Parce que je sais pas si vous vous souvenez très bien. Hein? Bon, le temps, pour nous, le temps file vite aussi. Hein? Alors, vous vous souvenez très bien, je pense bien, que depuis que la terre a été créée, Dieu est très bon. Hein? Il n'avait jamais fait pleuvoir sur la terre. C'est écrit cela dans le chapitre 2. Hein? Il y avait une vapeur, c'est-à-dire la rosée. C'est cette rosée-là. L'homme n'avait jamais vu la pluie. Depuis qu'il existait sur la terre, il n'avait jamais vu une goutte qui tombait. Mais voilà qu'un monsieur qui, pour eux, est un fou, qui sort, qui dit, Dieu va détruire cette terre ici, tout ça, par l'eau. Puis il me poserait la question, il dit, mais cette eau viendrait d'où? C'est le déluge. Et vous vous rendez compte, nous avons parlé ici, Dieu a une sagesse extraordinaire. Quand il a créé les cieux et la terre, vous me suivez? Il avait mis une sorte de voûte que les gens ne faisaient pas attention, au-dessus duquel il y avait de l'eau. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Il savait très bien pourquoi cette eau était là.
Ouais. C'est pour ça, même aujourd'hui, les doutes ne servent à rien. Parce que ces gens-là doutaient, mais en fait, l'eau était là, mais ils ne le voyaient pas. Mais Dieu, vous savez, la foi que Dieu donne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est que c'est comme si nous l'avons la chose, en fait. Donc la foi savait que l'eau était là. C'est comme aujourd'hui. Tu ne crois pas vraiment à la politique. Tu te dis, Dieu ne va pas frapper. Mais la colère est là. Il va te frapper. Alors, rapidement, tandis que par la même promesse, les cieux et la terre à présent sont gardés, réservés par le feu, pour le feu, pardon, et pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Donc, c'est ce que je dis toujours, bon, les gens vont toujours penser que ce monsieur, il est vraiment moyenâgeux, qu'on puisse fabriquer des voitures sans batterie, avec batterie, ou quoi que ce soit, avec l'électricité, même qui vole avec les vents sans qu'il y ait des gaz dégagés, ça va brûler. Oui, c'est vrai, frères et sœurs. Que vous puissiez pas, que vous puissiez retenir votre souffle en fait de ne pas polluer, ça va dégager, ça va brûler. Oui. Tout le travail que les hommes font, c'est inutile. Mais ils vont pas croire, hein. Ils vont pas vous croire. Non, non, c'est vraiment inutile. Enfin, bref, bon, enfin, ils ne croiront pas, mais bon. Mais de toute façon, ils sentent, hein, les glaciers. Mais si vous, quand même, vous voyez tout ça, pourquoi est-ce que vous ne vous mettrez pas encore davantage dans les choses de Dieu? Parce que vous êtes de ceux-là qui acceptent enseigner. La parole de Dieu vous démontre effectivement et vous voyez de vos yeux. Mais que c'est ce que Dieu nous a dit en fait. Et puis vous dites, nous voulons devenir des écolos. Les écolos, pourquoi faire? Ouh, c'est pas notre problème. Enfin oui, ils font ce qu'ils veulent. Mais je n'ai rien à voir avec la politique. Hein. Parce que je sais que les gens m'écoutent là, mais je n'ai rien à voir avec la politique. Je dis simplement. Mais il est une chose, verset 8, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, vous ne devez pas ignorer, si ils ignorent, ignorent, mais vous ne devez pas ignorer, ce que devant le Seigneur, un jour est comme, et mille ans sont comme, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Toi, ne sois pas parmi ces quelques-uns-là qui croient que le Seigneur tarde. Quand on dit qu'il vient bientôt, ah, j'ai encore 5 ans, j'ai encore 10 ans. Non, monsieur. Vis comme s'il peut venir demain, tout en te disant que moi, je peux. Oui, c'est vrai, frère, c'est dans cela. Faut que. Vraiment, c'est toujours être toujours sous les qui-vivent. Parce que, ma soeur, mon frère, ma soeur. Nul ne sait ni les jours, ni l'année. Mais toi, tu vis comme s'il ne viendra pas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler, faire des projets. Hein. Vous devez être équilibré. Vous comprenez comment... Ah, nous aimerions t'avoir beaucoup de temps. Hein, ensemble. Ça nous fait du bien, non? D'être là, assis, hein, lisant les Saintes Écritures... Et voyant Dieu qui nous aide à pouvoir voir clair aussi, quand ils rebâtissaient effectivement la muraille, vous savez comment ils étaient, non? Truelle ici, l'épée ici. Parce que l'ennemi venait toujours pour pouvoir les attaquer. Si tu as simplement te mettre du ciment tout le temps, il viendra avec l'épée, il va te tuer partout. Mais quand tu as la truelle, s'il vient, il croit que tu es tellement occupé là-bas, épée ici. Alors il vient, il s'arrête de loin. Ah bien sûr, c'est comme ça qu'ils étaient. Donc toi aussi, tu dois être comme ça. Même si je travaille, je sais qu'il revient bientôt. Je sais qu'il revient bientôt. Donc l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Tu ne sais pas comment vous parler. Je supplie Dieu qui nous aide. Nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Les trésors sont à ceux quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Me sens jamais comme chez moi dans ces mots. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis.
Alléluia. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Quand je me fais signe, depuis la porte du ciel, je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mots. Lève-nous, prions. Tendre Père et précis, ce soir. Ce soir, nous voulons encore te dire merci. Nous nous rendons compte, Père, que nous ne sommes pas chez nous. Parce que le monde est en train de pouvoir entrer en ébullition. Et les choses se passent tellement, Père Saint-Dieu, qu'à une vitesse tellement rapide, Père Dieu, la méchanceté a pris tellement de l'ampleur. Et les gens font des programmes, des destructions. Ils ne savent plus s'arrêter. Or, il n'y a plus de frein, Seigneur. Mais à cause des élus, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, tu ne permettras pas, Père Saint-Dieu, qu'ils puissent arriver à pouvoir avoir leur fin jusqu'à ce que ton épouse à toi, tes élus à toi puissent partir. C'est pour ça que nous nous préparons. Tu nous prépares, Père Saint-Dieu. Tu nous aides encore davantage à réveiller, Père Saint-Dieu, à nous souvenir, nous rappeler encore davantage, mon roi, ce que nous sommes, ce que tu es pour nous, Père Dieu. Ta parole abondante, mon roi, précieuse et glorieuse, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qui nourrit nos âmes et qui nous soutient davantage, mon Père Saint-Dieu. Nous en avons vraiment besoin, Père Saint-Dieu, à nous accrocher encore davantage, surtout pour que nous puissions nous préparer. Merci pour ta bonté, merci pour son amour, merci encore pour le temps que tu nous as imparti encore aujourd'hui de pouvoir être là dans ces lieux et chanter, glorifier ton nom, louant ton nom, bénémoine Père Tibissant, célébrant ta gloire à toi encore aujourd'hui, Père. Ce peuple-là est à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, loin qui se trouve, Père Tibissant, Dieu, nos frères et sœurs sur des îles, dans des pays lointains, et qui ce soir aussi ont été donc connectés, Seigneur, dans ces lieux qui est aussi le leur, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous avons tellement besoin de toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous avons pu voir comment tu as eu à pouvoir, Père Tibissant-Dieu, se réjouir d'avoir un homme du nom de Job, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu l'as dit, ah, c'est vrai, Père Saint-Dieu. Nous voulons te demander grâce de nous aider aussi parce que tu veux te présenter à toi-même une épouse sans tache ni ride. Mais tu l'as dit déjà dans ta parole, Père Dieu. Tu nous as prédestinés à être saints et irrépréhensibles, mon roi. Louange et honneur à toi. Nous croyons, Père Dieu, il n'y a pas l'ombre d'un doute, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment demeurer dans cela et fuir le monde, Père. Merci. Bénis ton peuple, mon roi. Merci pour ce que tu fais pour chacun de nos parents. Garde ton peuple. Protège les Père Saint-Dieu et soutiens chacun. Nous te demandons cette grâce au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, mon roi. Merci. Merci, Père. Alléluia. Et la paix du Seigneur soit avec vous. Et le Seigneur vous bénisse. Au grand. Chanter un cantique. Numéro 29 dans les fêtes, numéro 29. Je vis étranger sur la terre, mon espoir n'est point ici-bas. Je suis du pays de lumière, et mon cœur est déjà I'm
déborde sans cesse mes cœurs. Oui, c'est un pays de merveilles, qui s'étend dans l'immensité. Un lieu de gloire sans pareil, où tout est joie et sainteté. Jésus, prépare ma place et va revenir me chercher pour me conduire en quelle grâce chez lui dans la sainte cité. L'amour y règne comparable à sa source. Mais quand Jésus, c'est un bien de lui désirable, la cité des élus. Ô sainte divine allégresse, tu seras mon lot pour jamais. La j'ignore. Viens-tu, pourquoi donc viendrais-tu?